Et salut tout le monde, c'est Steam, on se retrouve aujourd'hui pour faire le deuxième DLC de Mario et Lapin Crétin Sparks of Hope. Il s'appelle The Last Spark Hunter, le dernier chasseur de Spark. Il vient de sortir, il en restera encore un DLC qui sortira, ce sera celui avec Rayman. Mais quoi qu'il en soit, avant tout ça, commençons celui-ci. Canal de communication adéquat pour les jardins mélodieux. Notre plan de vol pour la forteresse de Cursa nous rapprochera suffisamment et nous permettra d'entendre les biophonies ou chants du monde naturel. Longue en salvateur parfait pour nos malheureux nerfs, mis à mal par nos éreintantes aventures au Canyon d'Esperado. Note positive, en revanche, le Canyon d'Esperado nous a permis de vaincre, et de manière décisive, la dernière des chasseuses de Spark. Bipo, j'ai vérifié et revérifié le signal. Les jardins mélodieux sont totalement muets. Mais c'est impossible! La planète entière est une symphonie vivante. Peut-être traverse-t-elle une période minimaliste. Je pense avoir trouvé une autre explication. Une épidémie récente de confusion d'ombre sur toute la planète. Jenny, cap sur les jardins mélodieux, immédiatement! Nous y arriverons aussi vite que possible, je te le promets. Si nous ne sauvons pas d'abord les jardins mélodieux, nous risquons de nous jeter dans la gueule du loup, un nid de vipères aux pieds. La densité de l'air dans les jardins mélodieux a été considérablement altérée. À moins de rétablir la qualité de l'atmosphère, notre vaisseau ne pourra jamais accomplir la poussée nécessaire pour s'en échapper. Rien ne sera normal ici à moins de débarrasser les jardins mélodieux de toute cette confusion. La tâche promet d'être difficile. Mais difficile à quel point ? Oh, difficulté normale, ce sera très bien. Bien entendu, ce niveau de difficulté peut changer à tout moment lors de notre mission. Mais tout cela n'a rien de nouveau. Hâtons-nous avant d'attirer une indésirable attention. Bien. Alors tous les héros et les Sparks sont disponibles. Eh ben, ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de la mission ? Ça, c'est la carte. On voit des trucs, là. Ça doit être les niveaux. Déjà, l'objectif, c'est d'aller là. J'imagine qu'il faut aller jusque là-bas. Entrer dans la jungle symphonique. Lui, il vend des trucs, mais on s'en fout un peu pour l'instant. Allons-y. Vous allez devoir utiliser le canon pour partir d'ici. Heureusement pour vous, je suis là pour tout expliquer. Vous voyez ce bouton sur la plaque du sol ? Il y en a deux. Vous voyez l'autre là ? Le canon qui vous éjectera vers la zone de sécurité ne sera activé qu'en appuyant sur les deux boutons. Facile, non ? Oh, et autre chose. Remportez ce combat et je serai libre de vous rejoindre. Ré-
Restez sur vos gardes. Si mon analyse est correcte, nous allons bientôt voir un nouvel ennemi épouvantable éclore de ces drôles de chrysalides. Une fois vaincu, l'ennemi retournera à son état ovoïde et en ressortira comme rajeuni. À moins que vous ne leur chargiez dessus lorsqu'ils sont dans l'œuf. Un ennemi bien dangereux, j'en conviens. Je suggère fortement de les observer en détail à l'aide de votre caméra tactique. Ok, bon. Nous devons aller... Attendez, on va examiner comme il l'a dit... Ouais, bon ça... Un petit tacle et on n'en parle plus. Nous devons aller en face, et comme ils l'ont dit, il faut qu'on active deux boutons, un rouge et un jaune. Le rouge est là-bas. Le jaune est là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sépare l'équipe? Parce que là, il y a quand même du monde. Après, une fois que tu as activé celui-là, bah tu reviens ici. Donc tu peux repartir directement. Je pense qu'on va y aller avec toute l'équipe. Tous en scène. Pathétique. Je sais plus si j'ai le double saut. Non. C'est pas grave, on la joue comme ça. Lui, c'est 50% de chance. Là, on est sur du 100%. Le critique, il a pas servi à grand chose, malheureusement, mais c'est pas grave. On va activer ça. Et lui, je vais me mettre ici. On finit. Vous pouvez faire un petit critique là, ce serait bien. Et ça a pas suffi. Trois critiques et ça a pas suffi. Pas grave. Tour suivant. Ça, c'est chiant. Lapin Peach prend cher, mais elle peut se soigner, donc ça va. Après, je suis pas obligé de faire tous les ennemis. Hein. J'ai juste à activer des boutons pour quitter la zone. Donc c'est pas très grave. Bon, comment on va se débrouiller maintenant ? Je pense qu'on va partir avec Mario vite fait. Parfait. Malheureusement, ça n'ira pas. Qu'est-ce que c'est que ces pouvoirs déjà ? Repousser les ennemis au loin. Ami, je peux faire ça. Et je lui tire dessus après. Au moins toute cette partie-là, on est tranquille. Ok. Thank you.
n'y a pas de tour ennemi. Forcément, je les ai tous eus, après il y avait les mecs en haut. Tout le monde avant de faire quoi que ce soit. Je sais plus si je peux encore sauter, non, ok. Bien. Cyclone en plus sur l'attaque. Mais c'est pas passé. Ok. Un truc que j'ai pas compris, je pense. Et on active ça, comme ça on le bute s'il bouge. Au revoir. Bon. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir le tacler. Peut-être que si je fais un saut d'équipe avec Mario. Ouais. Lui, il va pas pouvoir y aller. Ça, c'est pas de bol. Alors, il aime pas l'électricité. Donc, je vais rajouter. Ah non, c'est pas l'électricité, ça. C'est un booster de dégâts. Je vais quand même le mettre. S'il y a moyen de le finir en un coup, on prend. Parfait. Et je peux pas attaquer le... l'œuf. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, c'était un risque. M'arrange pas ça. Okay.
Non! Oh, la misère! Oh, comment j'ai pas géré! Oh, je perds un tour avec tout ça. Je perds grave un tour. Évidemment. Bref. Ça, c'est bon. Ok, bon, on stoppe là. J'ai fait la moitié. Ça va le faire. Il peut pas prendre le canon, lui, on est d'accord. Attendez, c'est pour ça que j'ai pris celui qui a le plus de points de vie. Ah là, ça m'arrange pas. Je pensais que j'irais un peu plus loin. On active ça. Ça aurait été bien que je sois un peu plus proche de Mario pour faire ça. Je vais pas pouvoir. C'est pas grave, on va la faire autrement. On soignera Mario plus tard. Parfait. Juste espérer que lui, il vienne pas jusqu'à moi. C'est pas de bol. J'ai un peu peur pour Mario là pour le coup.
Où est-ce qu'on doit aller? Ouais, on doit prendre le canon qui est là pour aller au-dessus. C'est pas de bol, c'est pas grave, on active ça, il sera bon au prochain tour. Et Mario, bah... Redirection des dégâts, si ça peut me sauver la vie. J'y crois moyen. Et ouais, c'était le risque, mais c'est pas grave, je pourrais le ressusciter. C'est parti. Le problème, c'est qu'il va revenir. Ah, moi, je puisse le tacler, ça peut le faire. Parfait. Mais non. Ça c'est pas de bol, je vais quand même le lancer. Ça aura pas servi à grand chose. Pas de miracle pour ce coup-là, c'est pas de chance. Ça, c'est propre. Oh yeah! C'est long pour atteindre celui-là quand même.
Eh ben, c'était très très long. Dans un tour, c'est fini. Là, je vais pas pouvoir avancer avec Mario et Peach. Enfin, et Lapin Peach. Kaimi, je vais me planquer un peu. Il n'y a pas besoin d'y aller à 3 en plus. Hein. Ça, c'est pas de bol. Est-ce que je peux l'atteindre? Non, je vais pas pouvoir l'atteindre. Je suis obligé d'en avoir au moins un avec moi. Ça va le faire. Hop là! Wouhou! Oh, yeah! Et voilà. J'aurais pu faire mieux. Dans la première partie, j'aurais pu faire mieux. La deuxième, non, ça s'est bien passé. Alors que nous approchons de la source, tendez l'oreille pour apprécier la biophonie, la musique écologique la plus exaltante de la galaxie. Je n'imaginais pas que quoi que ce soit puisse réduire les jardins mélodieux à un silence total, même pas la confusion, Ombre. Bipo, je crois avoir compris. L'équilibre des jardins mélodieux est brisé, car son écosystème symphonique a été comme muselé. Par exemple, la densité de l'air de la planète a considérablement augmenté, ce qui empêche notre vaisseau de décoller. Étant donné que toute musique n'est en somme qu'un déterminant mathématique des lois régissant les harmonies, ne pourrions-nous pas tout simplement reconstituer numériquement les biophonies de cette planète afin de rétablir l'harmonie des jardins mélodieux? Ginny, la vraie musique ne se résume pas aux lois mathématiques, je ne sais pas moi. Ces deux choses sont aussi différentes qu'une octave et un octogone. Intéressant. Une octave est l'intervalle séparant la première et la huitième note d'une gamme majeure, tandis qu'un octogone possède huit... Bon, ça suffit, Ginny. Prisme de compétences pour améliorer nos héros. On a un petit nouveau, qu'est-ce qu'il fait? 8% de dégâts par arme, il gagne 8% de résistance aux dégâts pour chaque ennemi à portée. Ça c'est pour la partie héros, et les points de vie maximum du héros sont augmentés de 30%. Ah mais il n'y a pas... Ah si si, ok, il y a l'utilisation pour l'augmentation des dégâts et des résistances, et de base il y a le boost de soins. Ok. Bon, on va où? Très joli ce monde en tout cas.
Ah, c'est une blague ce truc. Comment je vais là-haut? Ah. Ouais, mais je peux pas le faire si je suis dessus. Ah si. Ok, donc c'est une nouvelle échelle. Raccourci en gros. Là il y a un truc à activer. Et ce truc à activer doit être là-bas. Ah, il est là. Juste en face de nous. En gros, je fais ça. Ça, je le laisse là comme ça. Parce que là, ça, je peux pas le passer, ça. Un truc à lancer sur l'œil là. Peut-être que je peux l'attaquer directement. Ah non, attends, il y a un truc là. Voilà. Comment on s'occupe de ça ? Ah, ok. Ok, ok. Là, j'ai réactivé l'autre. Et maintenant que j'ai accès aux échelles. Parfait. Alors, ce truc-là, ça se met où? Parce qu'il y a le truc en dessous, mais il y a le truc là-bas aussi. J'ai comme un doute. Je pense que je peux pas descendre avec. Ok. Et ça, je vais pouvoir le lancer sur le truc qui est là. Enfin, il me semble que c'est ça. C'est parti. Parfait. Drapeau de la jungle symphonique. C'est un drapeau de téléportation. Pratique, j'imagine. En tout cas, ils se sont un peu plus foulés sur ce DLC que sur l'autre. Hein. L'autre DLC, c'était vraiment un scandale. Un petit casse-tête ? Ah d'accord, ok. Il faut que je fasse ce qu'on me demande, quoi. Thank you.
Et là, c'est une combinaison. Alors là, il y a le carré. Voici la mare au concert. Je la reconnais aux nombreuses photographies que j'ai pu observer. Elle est, ou était, le véritable cœur de cette planète. Bipo, je détecte plusieurs formes de vie lapin crétin dans la flaque de confusion. Sûrement les célèbres et célébrés musiciens des jardins mélodieux coincés à l'intérieur. Dépêchons-nous! Sauvez les musiciens prisonniers de la flaque de Confusion-Ombre. Ça fait partie de la même carte qu'on est en train de faire? Bah pas du tout. Ah ouais, donc non. Ça peut être encore plus grand que ça, cette histoire. Bref, allons-y. Bon, je vais à l'essentiel, hein. Si jamais il y a des trucs annexes à faire, je vais pas les faire. Ok, donc les machins qui bougent là, ce sont des cages. Vous êtes là pour sauver ces lapins crétins, non? Libérez-les en chargeant sur les interrupteurs à côté des cages. Mais attention aux créatures, elles peuvent créer de petites mares de confusion empoisonnée. Je n'ai jamais rien vu de tel. Plus, je vous rassure, nous ferions mieux d'utiliser la caméra tactique pour en savoir davantage sur ce nouvel adversaire. Avec plaisir, oui. Et si vous remportez ce combat, je partirai avec vous en mode 100% team héros, tout ça. Ok. Alors, regardons. Donc là, il y a juste à charger, donc c'est tranquille, il y en a 17 à sauver, la vache. Et toi, tu balances des flaques. Tu fais des pluies de confusion. Assez large d'ailleurs. Et pareil au niveau de l'attaque, après je sais pas quelle taille ça a, on verra. Mais ok. Allez, on termine ça. Parfait. On va juste regarder vite fait par où on va aller. De toute façon, il y a trois emplacements. Il y a gauche, centre et droite. Ça a l'air assez équilibré. J'avoue que là, le double tacle de l'autre, ça va être bien pratique. Faudrait que je puisse faire... Ah non, je peux pas me mettre là. Ok, attends, on va essayer d'avancer un peu avec les autres. Et
Rémi Peach peut la mettre là, c'est pas un problème. J'ai pas d'autre tacle, non, ça aurait été trop beau. Là, ça me paraît pas mal. Je reprends Mario. On fait ça. Est-ce que je peux écraser ce truc? Non, je peux pas. Ok. Sinon, c'était une bonne idée. Je vais activer ça aussi. On va rester comme ça. Lui, il va bouger bêtement, je pense. Pas lui, l'autre. Waouh, mais ouais, mais c'est tellement large. Alors, c'était pas pour eux, de base. Voilà. Heureusement qu'il y a double tir. Pas de chance. Quoi encore? Pas mal, pas mal. M'échappe pas. Le problème, c'est que sa pluie, elle peut encore me toucher. Et il a beaucoup de points de vie. Je vais activer ça. De dégâts, si ça marche. Je sais pas si ça peut marcher avec la pluie. Et là, bah, c'est tout. Abuser la difficulté. Enfin, c'est pas difficile, mais tu te demandes vraiment comment tu peux t'en sortir, quoi. Ah oui. Ah ouais, ouais, ouais. Wouah. Ah ouais, chaud. Méga chaud même. Ouais, non, c'est que pour des charges. Lui,
je peux presque le tuer. Le problème, c'est qu'il y en a qui vont arriver de là-bas. Rien, à moins que je puisse le faire bouger, lui non, il bougera pas. Magnifique. Moi, si je tente le même tir, jamais ça passe. Pas très bien lui. Pas embêtant. Puis il y a celui au-dessus aussi, j'avais pas fait gaffe à ça. Je vais me planquer. Hop. Bol. Ah, il en restait un en bas. J'ai pas fait gaffe. Ça, zéro. Vraiment, je peux pas le toucher de là. Oh, c'est chiant comme ça aussi. On va faire le boost de dégâts pour tous les deux. Let's go. Alright.
pas mal. Est-ce que je peux aller de l'autre côté ? Pas étendu, hein. Pas grave, on va se mettre là. On va essayer de se faire celui-là. J'aurais bien voulu qu'il prenne des dégâts, lui. Ah. Pas bien joué, ça. Quoique. Pour ça, c'est bon. C'était pas l'objectif, mais c'est bien. Ça m'arrange. Ça m'arrange plus. Bon, on va se soigner. Il reste combien de prisonniers d'ailleurs ? 5. C'est celui-là. Après, celui-là, je peux l'atteindre avec les autres. Trop facile. Pas mal. Enfin, je pense. C'est un risque, mais mine de rien, ça me rapproche de plus en plus des trucs à tacler. Après, faudrait pas qu'on se retrouve à deux. À deux, ça va être chaud. Et je peux plus soigner. Je peux soigner avec un seau, mais ce sera pas assez. Ah, attends, qui peut tacler quoi ? Toi, tu peux tacler... Annie... Enfin, ah, c'est chaud, là. Je peux pas tacler l'un ou l'autre, sauf si je fais un saut. Il en reste 3 en tout, 2 là et 1 au-dessus. Je pense que l'idéal serait d'aller au-dessus avec celui-là. Après, ce sera mieux avec le tuyau, je pense. Déjà, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est ça. Hop. Pitch, ah, tu peux rien tacler. Aïe aïe aïe. Il y aura encore un tour. Il y aura un tour, mais ça va être tranquille.
C'est pas de bol. Allez au dodo. Bah, c'était moins compliqué que prévu, en vrai. Moyen de faire mieux, hein, mais ça va. Détecter un être nous espionnant après notre atterrissage. C'était bien vous, n'est-ce pas ? Allegra. Mon nom est Allegra, gardienne des jardins mélodieux. Vous pardonnerez ma méfiance, j'espère. Ne le prenez pas mal. Après tout, vous ne ressemblez pas vraiment à des héros typiques, n'est-ce pas ? J'adore ça ! Merci beaucoup. Une ombre noire. Nous avons reçu beaucoup de visiteurs récemment. Et quelqu'un, une note noire, nimbée d'ombre, se fait chef d'orchestre du chaos. L'harmonie est brisée. Cette personne chasse les étoiles déchues, à qui nous offrons refuge, et plonge la mélodie de nos jardins dans la discorde. Une chasseuse de Spark. Ici ? Impossible. On s'en est occupé. De toutes. Quand bien même ? Tout ce que je sais, c'est que cette personne menace mes musiciens, terrorise les étoiles déchues. C'est monstrueux. Et oblige ma chère amie à se cacher. Sans elle, impossible d'entonner nos biophonies. La menace du Et sans nos biophonies, les jardins mélodieux seront réduits à néant. Comme un silence inscrit sur la partition galactique. Adieu. Au-delà de cette porte se trouve un passage presque oublié, où j'espère retrouver mon ami en bonne santé. Empruntez ce passage, si vous le désirez. Eh bien, parfait tout ça. Non, ça avance bien, l'histoire a l'air cool. Franchement, bien. Alors, c'est par là. Oh, comme j'ai attendu cet instant. Je l'espérais, pour être honnête. Mario ! On raconte beaucoup de choses sur les plus grands combattants de la galaxie. Mario, Bowser, Edge... Arrête de discuter. C'est amusant. Moi, je n'ai jamais entendu parler de toi. C'est Kanya ! Et ne l'oubliez pas, vous allez en avoir besoin pour implorer ma pitié. Peut-être que c'est vous qui implorerez notre pitié. Pas une seule des chasseuses de Spark de Cursa a réussi à nous arrêter. Je suis pas une chasseuse de Spark! J'ai mes propres plans pour les Sparks. Et Cursa n'a rien à voir avec ça. Relâchez mon ami! Qui que vous soyez, relâchez mon ami, séance tenante. Laissez nos Sparks tranquilles et disparaissez. C'est ça, oui. Comme vous voulez. Oh, j'avais presque oublié. Votre animal de compagnie? Il est trop tard pour lui. J'aurais dû vous prévenir plus tôt. Hein? Pardonnez-moi. Je suis désolé, mais je dois partir. Voilà qui est mieux. Bon, où en étais-je ? Ah oui, la différence entre Cursa et moi, j'ai une vision colossale de l'avenir.
vaincre le proto-méca roi bonbombe. À moins de vous occuper du bouclier, de ce robot géant, celui-ci restera pratiquement invulnérable. Et pour cela, utilisez les bobombes. Plutôt poétique, non? Une fois l'ennemi vaincu, je pourrai m'échapper avec vous. Notez que je n'ai pas dit si vous arrivez à le vaincre. Il faut rester positif dans la vie. Ok, ça veut dire qu'il faut que je prenne des bobombes, qui vont apparaître dans le coin, j'imagine. J'aurais mieux fait de me soigner avant de venir, mais bon, bref. Et c'est comme ça que je pourrais détruire le bouclier. Mais là, l'embuscade est quand même assez importante. Hein. Il va falloir que je trouve une solution pour me barrer de là. Ah, il invoque les bonbombes. Il en invoque deux. Et c'est avec ça qu'il faut que je détruise le bouclier. Ok. Allons-y. On va soigner l'équipe avant. Autant utiliser ce que le jeu nous propose. Oui, oui, je sais. Parce que là, ça sert à rien du tout de le charger. On peut pas, de toute façon. Le seul problème, en fait, c'est que il faut que je prenne de la hauteur pour éviter d'être embêté par tous ceux qui sont en haut. À la limite, autant redescendre quand il invoque ses bonbons. Ça le fera. Enfin, j'espère. Ça l'a pas tué. Oh la vache! Ah, mais vous partez loin aussi là. Jamais ça va jusque là-bas. Autant rester là. Eux, ils se sont décidés à descendre. Je me décidais à rester en haut. Honteux. Oh.
quand même la voir. Okidoki. Voilà. Donc là, le bouclier est cassé, ça veut dire que je peux l'attaquer? Ouais. En effet, c'est ça. Bon, il reste quand même un gros problème, c'est lui. Et si je reviens un peu vers l'intérieur... Ah, je peux pas le toucher de là. Et toi non plus, je peux pas te toucher? Monsieur Costarnac. Là, je peux. Ah, mais c'est tendu aussi, je peux pas le laisser, lui. Je peux m'en occuper avec Peach, Lapin Peach même. Parce que je pense qu'il va reprendre son bouclier dès qu'on va recommencer. Ça m'inquiète un peu. Alors, je vais quand même essayer de le bourriner. Et je vais mettre ça. Même si c'était peut-être pas une bonne idée. Surtout s'il utilise. Enfin, si c'est les bombes qui bougent en premier. Voilà. Très mauvaise idée. Okidoki. Non mais, moi si je fais ça, ça marche jamais. Hein. Alors est-ce que la bombe est restée proche de lui pour lui faire des dégâts ? Non. Malheureusement non. Il a récupéré son bouclier. Donc ouais, c'est une attaque de bombe plus bouclier. Seul problème, c'est que je pense qu'il faut que je m'occupe des autres parce que ils sont archi violents. Résistant à la brûlure. Je note. On ne m'échappe pas, moi. Magnifique. Il m'en reste une à faire. C'est quand même bête que je puisse pas la faire. C'est touché. Et mine de rien, on est tranquille en haut. Pas mal, pas mal. Je vais tenter un truc débile, on va voir si ça marche. Pathétique. Ouais, c'était débile. Ok,
Ouais, c'est ça. Restez bien collés. Restez bien comme ça. Ah non. M'arrange pas, là. Ah, ah non, c'est bon. Ouais, quelques centimètres, là. Mario, il prend tellement cher depuis le début. Terminé, maintenant. Petit tacle là-dessus, ça aurait été bien aussi. Je vais essayer de descendre avec les autres. J'ai peur que ça attaque les bombes, mais bon, tant pis. C'est résistant, mais au moins ça le descendra un peu quand même. Et Mario ? Mario, il est pas bien là. Ça devait arriver, hein. Le problème, c'est que Lapin Peach est super loin maintenant. Pathétique. C'est parti. Donc, je peux pas le tacler même quand il a plus de bouclier. Terminé maintenant. C'est parti. Bon, ça c'est pas de bol, je peux pas sauter parce qu'il est dessus. Je peux ressusciter. Ouais. Va piquer pour Lapin Peach après. J'en ai bien peur. J'assure la survie pendant ce tour. Plus chargé. Ça, pour le coup, c'est parfait. Je mets pas de renvoi de pouvoir, enfin de dégâts. On y va. Voilà, va là-bas, lance tes bombes. Enfin, pas celle-là. Si ça me touche, c'est foutu. Oh, zéro, quoi. Ok, bon. L'un dans l'autre.
Combien de temps pour... Ah bah non, mais je peux déjà ressusciter avec... avec Lapin Peach. C'est cool, ça. Les tacler malheureusement. À moins que. Pathétique. Parfait. Comme ça, je me barre et les bombes pourront pas me toucher. Fin du 50% là. Oh yeah. All right. Nickel. J'active rien. Rien du tout. Et prochain tour, il y a moyen de faire des trucs sympas, je pense. À chaque fois, ça touche ça. C'est ouf. Non. C'est trop. Je pense qu'il y aura pas moyen de le finir, à moins que. Ouais, peut-être tendu, parce que je pourrais avoir le boost de dégâts. Mais ça suffira pas, je pense. Mais bon, faut quand même faire quelque chose. C'est parti. Après, il y a rien d'autre qui va être invoqué. Au pire. Et c'était mal calculé. C'était très mal calculé et ça va vraiment piquer. De pas grand chose. Et ouais, même le prochain tour, je l'aurai pas. Parce que lui, il va lancer ses bombes qui vont péter tout de suite. C'était le risque. Trop gourmand. Et un de moins. Mais au prochain tour, c'est fini. Ah mais oui, il a pas pitché morte. J'ai essayé de la sélectionner, mais pas possible. Je vais activer ça si jamais le lapin qui sort de là m'attaque. Et là, je vais rien activer. On va rester comme ça. Allez. Alors ça, j'avais pas prévu qu'il irait de ce côté-là.
je m'en sors. Je m'en sors, mais comme quoi, parfois ça se joue à pas grand chose parce que ça aurait vraiment pu être un drame là. Alors qu'il n'y avait rien de bien compliqué. J'ai juste été trop gourmand. La réaction de Kanya suite à sa défaite ne t'a-t-elle pas semblé étrange? C'est à croire qu'elle était satisfaite. Bon, tête brûlée comme elle est, je pense que nous ne tarderons pas à la revoir. Nous devons retrouver Allegra immédiatement. Son amie et elle courent un grave danger. Oh non, le chemin est inondé. Cette eau nous empêche totalement de rejoindre Allegra à pied. Fort heureusement, la capacité maximale de ce navire devrait être suffisante pour nous lancer à ses trousses. Ouais, waouh! T'appelles ça un navire? On peut même pas faire du wakeboard avec. Ok. Sans musique, nous deviendrions un désert, physiquement et métaphysiquement. Je détecte deux formes de vie par-delà cette porte. L'une considérablement plus grande que l'autre. Cela doit être Allegra et un ami très imposant, ou je suppose Allegra et un ami minuscule. Et espérons seulement qu'ils sont en bonne santé. Cette porte n'a pas de serrure. Cet arbre est un Cantus salix, plus connu sous le nom de saule chanteur. Il entretient une relation symbiotique avec les mélosphères, des entités musicales qui génèrent un ensemble stratifié de fréquences ayant pour but de... Oui, oui, encore une fois, sois gentil de séparer ton amour pour les mathématiques de tout ce qui est musical le temps que nous sommes ici. Oh, je n'aurais jamais cru regretter l'époque où nous flânions à la recherche de clés. Enfin bref, allons trouver ce soul chanteur et tâchons de comprendre pourquoi les mélosphères ont cessé d'interagir avec lui. La voix du monde naturel ne sera pas longtemps réduite au silence. Trop classe la traînée que ça fait là. Bon, j'imagine que je peux pas m'accoster à ça. On peut voir la carte. Ah oui, il y a un pont juste là. Un Spark à sauver ici, mais bon, on s'en moque un peu.
Faut quand même que j'aille là, de toute façon. Sans musique, nous deviendrions un désert, physiquement et métaphysiquement. Les trois ont été capturés. Reste à l'abri. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il me dit de repartir en arrière. À mon avis, c'est ça en fait. C'est juste pour me dire que l'objectif, c'est de faire ça. Mais l'objectif est partout. Genre, il y en a un là, bref. Effectivement, je dois reprendre le bateau. Est-ce que j'en ai un dans le coin? Ouais, faut que j'avance par là. Je vais essayer de sauter tous les combats là. Oh, t'es là, toi. C'est le personnage du premier DLC. Vous êtes désolé d'être ici, tellement musical. L'interdimensionnel de transport de Madame Boastrella n'a jamais été aussi mélodieuse. Je décline toute responsabilité. Vous aspirez au doux son de la victoire. Rassemblez votre équipe pour la sauvagerie débridée qui vous attend par-delà le portail. Ouais, bah non, ça m'a assez gonflé la première fois, donc non. En revanche, comment vais-je là-bas ? Comme ça. L'inconnu Allegra entra en communion avec les jardins mélodieux et la biophonie put renaître. Peut-être qu'après tout, elle pourra nous mener jusqu'à la mélodie perdue, avons-nous dit. Dans la poche. Ok, mais je fais quoi de ce truc? Feu à volonté. Peut-être à donner à celui qui est en dessous, là. Ah oui, ah. Mais c'est que ça va être long, ça. Et c'est surtout pas pour ce que j'ai à faire. J'étais pas sur la bonne route pour faire ce que je voulais. Après, il y a un autre tuyau, là. Il va où, ce tuyau? Ah voilà, rien à voir, quoi.
Et le dernier, il serait où? Je sais pas si je peux le voir d'ici. Non, parce que quitte à le faire, autant le faire, quoi. Genre, ça sert absolument à rien de faire ça? C'était juste pour voir ça? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il me dit non? Ah! Ah, ok. Ok, ok, ok. Ça c'est réglé, même si c'était pas l'objectif principal. Voilà. Bien. Ici, je pense qu'on est pas mal. Regardons la carte juste vite fait. Donc nous sommes là, il y a moyen d'atteindre celui-là, je pense. Ça peut le faire. Nous jouerons à nouveau. Go ! Habitants des jardins mélodieux, n'arrêtons pas de combattre pour le biome. Ah ouais, je peux pas le lancer, ça m'a l'air un peu trop loin. À mon avis, d'abord, il faut faire un truc avec ça. D'abord activer ça. Dans la poche. Pour briser la mélodie de nos jardins, avons-nous crié. Regardez, elle va déraciner les graines tambours et les secoue-plantes pour les voler et les emporter loin de notre planète. Ainsi, nous avons regardé et observé, mais nous avons aussi écouté. Bon, rien de ce côté-là. C'est que c'est là-bas. Même pas. Qu'on la relâche. Feu à volonté. Sans la musique, notre monde sombrera. Aidez-nous. Ça, ça a l'air cool. Rien à voir. Ça, c'est pour mettre ailleurs. Qu'on la relève à volonté. Il y en a un derrière, mais ça n'a pas l'air d'être ça non plus. À moins que la couleur change un peu. Ouais, si, c'est ça. Ah.
je vais suivre ce chemin-là. Hein. Autant suivre les chemins qui s'ouvrent. Ouais, c'est ça qu'il faut que je récupère. Ok. Ok. Il y a un autre truc à faire en face. Ah, c'est juste une échelle. Est-ce qu'on voit qu'il y a le truc qui est là, à mettre là-bas. Ah, peut-être en face avant. Oh, c'est bizarre ça. Parce que si je le prends, ça va pas m'aider. Et là, je peux pas rentrer dedans. Là, il y aura le truc à pousser, qui doit être au-dessus. Faut trouver une solution pour y aller. La solution pour moi, c'est le cube qui est juste là. Alors, comment je l'amène là-bas? À mon avis, il faut que je descende. Il faut que je le fasse là, comme ça. Voilà. Avant, on n'irait pas là vite fait. Bon, c'était pour un petit objet de combat. Nickel. Dans la poche. Je suis prête. Les secours arrivent. La bonne nouvelle, c'est qu'on revient directement ici. Nous serons entendus. Nous jouerons à nouveau. Alors, je comprends. Un carré et X, donc bah ça. Et ça. Je peux pas faire... Ah si, je peux faire ça. Et ça. Nous, habitants des jardins mélodieux, n'arrêterons jamais de combattre pour le pilon. Sans la musique, notre monde sombrera. Aidez-nous.
et un de sauvé. Feu à volonté. Alors, le prochain... En fait, c'est bizarre, c'est... Comment atteindre celui-là, sachant que je peux pas passer là. Ça, c'est fou. Nous, habitants des jardins mélodieux, n'arrêterons jamais de combattre pour le biome. Ça m'a l'air pas mal, ici. Ouais, on est très très bien, je pense. Au moins pour un. Aller là, c'est à mon avis pas ce qu'il faut faire. Que je peux réactiver ce truc-là et repartir. Ah oui, alors pas du tout. Ce labyrinthe de zinzin. Je pense que... Non. Si je vais là, ça m'emmène où ? Fais à volonté ! La biophonie doit être entendue. Le temps presse. Ok, ok, ouais, ouais, non, c'est ça qu'il fallait faire. Je suis prête ! Habitants des jardins mélodieux n'arrêteront jamais de... Ah non, ça peut pas être ça qu'il faut faire. Ah non, parce que je voulais activer ça. Ah bah si, 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 c'est bon, c'est bon. Si, si. C'était déjà activé en fait. Les jardins mélodieux ne seront jamais à toi. Oh, la voix, elle m'énerve tellement là depuis tout à l'heure. La musique est la voix de la création. Personne n'a le droit de la réprimer. Là, on voit qu'il y a le truc à lancer sur l'œil qui est là-bas. Je repars comment ? Par là ? Volonté. Qu'on me laisse tranquille. Ah ouais, mais je le mets où ? Il n'y aura d'harmonie dans les jardins mélodieux que si les champs sont libérés. Je suis prête. Ah ouais, c'est là. Je commençais à me dire que j'étais pas du tout sur le bon chemin. Comprenez pas. Les jardins mélodieux sont la musique elle-même. Oh, c'est bien compliqué. Oui ! Feu à volonté ! Bien. Nous avons débloqué... Ça. Dieu, n'arrêteront jamais de combattre pour le biome. Je suis prête.
Les okay. jardins mélodieux sont la musique elle-même. Go! Donc, on récupère ça. Voilà, ça fait deux. Alors, question, le troisième, bah c'est toujours celui-là. Ça me rend ouf, ça. Ah, il y aura un passage en dessous. Oh, ça m'a l'air pas mal. Ah, ou pas? Ah bah si, totalement. C'est totalement ça. En fait, si je trouvais pas, c'était parce que c'était dans une instance différente, en gros. Enfin, une instance. Oui, on peut appeler ça comme ça. Nickel, on est au bon endroit. On est au bon endroit, mais paye le détour, quoi. Ah, pas bête. Enfin, peut-être que si, en fait. Parce que ça, je m'en fous un peu, à vrai dire. Nickel, regarde ça. Bon, je pourrais jamais repartir. Là, c'est mort, oui. Non, bah, il y a juste à faire le chemin en sens inverse. Ah bah non, je peux descendre là-bas. Alors là, pour le coup... Là, je peux aller par là. Est-ce que je détruis ça? Parce qu'à mon avis, je vais pas pouvoir monter avec. Là, il y a une échelle. Je vois pas l'intérêt dans l'immédiat. Pour aller en bas. On va le lâcher, ce truc. Ah, peut-être un petit pont à faire. Là, déjà. Ok, c'est pour un truc annexe. Mais ok. Et là, il n'y en a pas. Oh. Ah, il y en a peut-être un en face.
Il y a une autre échelle de l'autre côté. Alors, pas ça, mais ça, ça va suffire. Ça débloque ce truc-là, donc je vais pouvoir l'amener directement à cet endroit-là. C'est parfait. Ok. Et 2-3. Un peu galéré à le trouver, mais ça va. Sac à papier. Qui l'avait prévu? Qui avait parié sur flaque de confusion ombre? Lapin Mario va devoir faire ma lessive pendant un mois. Oh, il y a toujours quelque chose qui cloche, n'est-ce pas? Bon, allons. Je pourrais changer d'équipe aussi. Mais bon, elle est assez équilibrée comme ça. Donc faut que j'aille les chercher et que je les ramène. Ces pauvres mélosphères, elles ne seront en sécurité que si nous les sauvons toutes et les rapportons dans leur nid au centre du champ de bataille. Vous allez devoir les porter, mais attention! Elles sont fragiles et s'effraient facilement. Protégez-les des attaques à tout prix. Ah, ça rigole pas. Donc il y en a une là-bas, tout au fond. Qui fait qu'il faut que je passe ici. Le passage qui est là, ça permettrait de retourner là-bas. Pour aller chercher celle qui est là-bas. Et là, là-bas. C'est loin, hein. C'est très très loin. Avec moi. Pas mal, mais pas assez. Faut que j'aille tacler le truc. C'est parti. Parfait. On s'en va déjà. Mario, qu'est-ce que je peux faire avec Mario à part rien?
Rien. Ouais, je vais la faire repartir un peu. Bon, bah, je vais rester là. Je peux attaquer ? Non. Ah bah super. Oh hé. Je m'y attendais un peu. Ah mais je l'ai pas avec moi. Pouvoir aller là. Je vais me mettre ici et je vais mettre ça. Lapin Peach, tu peux te barrer. Peut-être aider un petit peu. Genre. Genre si je me mets là ou là plutôt. Ok, ça c'est pas mal, on va activer ça. Ah, non, 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 ça. Mario, t'es bien où t'es ? Peut-être là. Lapin Peach, on va te mettre... Bah non, on va se barrer, pareil. Et je pense que je peux la ramener directement en haut. J'aurais mieux fait aussi de donner le truc à Lapin Peach. Ça aurait été une bonne idée, je pense. Bref. Nickel. Un peu moins nickel, alors surtout. Chaud. Ça ne m'arrange pas tout ça. Ça ne m'arrange pas du tout. Je vais prendre les dégâts, je pense. Sinon, je fais ça. Voilà. Pas besoin de faire les combats, il y a juste à se barrer. Ok, ça c'est bon. On récupère Edge. Ok. Je vérifie juste la distance à laquelle ils peuvent aller. En théorie, je suis pas mal.
Le truc, c'est que ça sert à rien de les tuer si je peux pas les tacler après. J'ai déjà utilisé mon saut. Ouais. Ah, c'est trop dangereux là. On va se mettre là. Ok, je pense qu'on est pas mal. Il peut quand même m'attaquer, hein, même s'il n'y a pas la distance. C'est vrai que j'ai regardé le déplacement, mais pas la distance d'attaque. Bon. Trop facile. Pathétique. Alors, il y a lui qui va sortir là. Je peux plus le tacler, forcément. Là, je vais pouvoir le tacler, donc ça peut valoir le coup de le terminer. Ah ouais, mais... Ah, c'est pas grave. Ok, parfait. Il y a l'autre qui va sortir sur le côté, mais je... Ah oui, non, mais je peux plus tacler, non, j'ai fait n'importe quoi. Et oui, une fois que j'ai tiré, je peux plus tacler. Ça ne m'arrange pas. C'est pas grave, on se la joue comme ça. Je vais rester là, parce que j'ai pas trop le choix. Je vais faire un soin. Comme ça, tout le monde récupère à peu près toute sa vie. Le regard héroïque avec Mario. Toi, tu peux attaquer personne. Ouais, bah écoute, pas trop le choix avec tout ça. Ça, c'est chiant. Ça, c'est très très chiant. Je vais pas pouvoir bouger. Ah, c'est même très 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 chiant. Évidemment. De toute façon, j'aurais pas pu bouger, donc ça change pas grand chose. Ah oui, le pouvoir ne marche pas. Ah. C'est d'un compliqué, je te jure. De toute façon, c'est géré, on a récupéré le deuxième. Plus qu'à l'amener. Magnifique.
Bon bah nickel. Sérieux ? Ah bah oui, je peux plus. C'est pas grave, on se met là, on fera un tour de plus. Et un de moins. Alors si je passe par là, ça me permettrait d'aller là, on gagnerait du temps avec Lapin Peach à la limite. Peut-être un petit soin avant d'y aller. Après tout, il n'y a que Mario qui a besoin d'y aller. Le reste, après, on s'en fout un peu. Que Mario il peut y aller direct, ouais. Ça la limite avec Mario, je pars de ce côté là. Wow, c'est tout bénef ça, regarde ça. Ah, pas de bol. Voilà, le problème, c'est que Edge, il est foutu. Donc on va attendre comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau ? Oh yeah ! Pas grand-chose, je pense. Hein. C'est un peu tendu. Je m'en suis douté. Je m'en suis douté que je prendrais les dégâts aussi. Bon, moi j'ai fait du ménage. Et on va se... Ouais, on va rester là, c'est bien. Edge, il attend. Mario, je vais le rapprocher un peu plus de l'endroit où il doit sauter. Hop. Je pense que c'est bien géré. Ah, ça, un peu moins. Je suis bon pour rester ici. Résistant à ça. Pas de bol.
Je vais quand même le faire. Et on active la tornado lame. Let's go. Mario, on active ça. Et ça. Eddie va prendre cher, mais au pire c'est pas grave, il y a Lapin Peach qui peut le soigner derrière. Ouh, c'est pas gentil ça. Le retour va piquer. Non mais... Non. Bon, moi on est tous là. C'est parti, merci. Attends, si je fais ça... Pas mal ça. Là je suis pas à portée, c'est nickel. Là je peux grimper. Ouais, j'aurais mieux fait de faire ça avant. Ça change pas grand chose, il est mort. Il va revenir, mais c'est pas grave. Un petit soin. Ah, ça aurait été bien que Edge soit là, mais c'est pas grave. Abusé. Il m'a reculé, j'avais peur de pouvoir rentrer. Ça, c'est très très con d'avoir fait ça. Oh yeah!
cette fois-ci, il bouge. Il mourra. Bon, bah c'est bon. Son ami ne peuvent guère attendre davantage. Ok. Qu'avons-nous là-bas? On la relâche. Alors, serait-ce le boss de fin? Ça y ressemble. Quoique. Oh, ça serait logique. Vous en pensez quoi? J'espère que ça vous plaît. Après tout, vous avez contribué à sa construction. Oh, allez, quoi? Tous ces essais sur le terrain un peu plus tôt, avec mon prototype, attendez un peu de voir le résultat. Très peu pour nous, on vous croit sur parole. Laissez-nous tranquilles. Vous pourriez avoir une centaine de ces monstruosités. Jamais nous ne nous soumettrons. Une centaine? Pourquoi pas un millier? Ou même l'intégralité des jardins mélodieux transformés en un unique méca robobombe géant. C'est terminé! Quand j'en aurai fini avec cette planète, l'unique symphonie que vous entendrez sera celle des tronçonneuses et des forges industrielles. À moi! À moi! Et après ça, la galaxie sera à moi. Plus de gardiens, plus de cursa, moi et moi seul. La dernière chasseuse de Spark a vraiment prendre les choses en main. Oh, assez discuté. Nous sommes dans un jardin après tout. Autant goûter aux fruits de vos efforts. Il faut absolument sauver ce Dory. C'est notre objectif principal. Mais il est inutile de combattre le méga roi Bobombe pour l'instant. Il est invulnérable, même face à ses propres Bobombes. Alors comment libérer le passage vers ce Dory s'il y a autant de blobs de confusion sur les boutons au sol que nous devons activer? Je sais! Servons-nous des bombes pour détruire les blocs de confusion, puis activons les boutons au sol pour modifier le terrain. Nous devons créer avec soin le chemin à emprunter. Des ennemis différents nous attendent à chaque approche. Vite, la caméra tactique!
Ça m'a l'air... pas compliqué, hein, mais... pas si simple, on va dire. Bref, faut que j'aille jusque là-bas. On va déjà... Allez, on termine. Gérer ça. Oh yeah! D'accord, je comprends mieux. Il y a d'avoir d'autres boutons là-bas d'ailleurs. Wow, le délire. En fait, le problème, c'est pas forcément tous les endroits à voir en théorie. C'est que si je me balade trop, il y a des ennemis qui vont arriver. C'est ça le problème. Ah oui, non, je peux plus tacler. On va prendre Lapin Peach. Ah, ça va pas aller. Ça va pas faire comme je voulais. C'est pas grave. Ah, abusé. Let's go. Magnifique. Non. Alors là, le problème, c'est que je n'ai pas de bobombes à disposition. C'est un peu embêtant. Aller là-bas, c'est un poil dangereux, puis il n'y a pas trop d'intérêt. Ah oui, j'ai pas été bon, j'aurais dû m'occuper de celui-là. Là, c'est pas mal. Au-dessus, il y a rien là-haut. Ah si, il y a quand même quelque chose. Après, je sais pas si c'est vraiment obligatoire. Si je peux me permettre d'aller tout droit, je vais le faire. Que les bombes me suivent un peu et ça va le faire. Ah,
faudrait pas que je le tue pour autant. Peut-être trouver un autre angle. Ouais, limite on va faire ça. Comme ça je le tue pas et je peux le tacler après. En revanche ça, on le fait. Ah, sauf si, voilà. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Heureusement qu'il y en a d'autres. Ah, c'est pratique si c'est pas les bombes qui bougent en premier. Qu'avec Edge, je peux me barrer là et jeter la bombe là-bas. Pareil chaud. Ah, ça va pas être possible. Ah, si. Si, si. Yes. Pas évident tout ça. Après avec Mario je peux faire un bon coup là. Si je fais ça et ça. Ah ça a pas crit. C'est pas grave, on peut quand même s'en occuper. Ah bah non je peux plus bouger. Ah parfait. Ça veut dire que maintenant je peux retacler. Non. Ah, c'est pas de bol. On va se mettre là. Ah oui, j'avais oublié celui-là. J'espère qu'on sera bon niveau distance. Ah, pathétique. Dans la... C'est parti. Pas mal. Let's go. En fait, je me demande si ça m'handicape pas plus qu'autre chose de faire ça. De faire en sorte qu'il y ait plein de points de passage comme ça. Mais non. Voilà.
tendu ici. J'ai peut-être fait le fou. Pas bon ça. Ah, quelqu'un d'autre? Ah, ah, alright. Let's go. Ça pue pour Mario, on va voir. L'avantage, c'est que les autres, ils restent bien derrière. À mon avis, les bombes, elles vont venir sur moi, là. Ouais. Peut-être pas celle-là. C'était pas le bon plan de monter, en fait. Ah, je vais pas pouvoir faire celui-là. Ça, c'est pas de bol. Oh yeah! Je peux pas soigner Edge. Ça ne sent pas bon, cette histoire. Je vais quand même soigner Mario, au cas où. Le soin, c'était la bonne idée, je pense. C'est pas bon. Ça va le faire. Je pense, non. Le jeu triche. Il est où l'autre? Ah, il est tout au fond! Oh, c'est honteux! Wow, c'est chaud, que je pourrais pas revenir peut-être. Hey,
Et ouais. C'est pas bon, c'est pas bon. Bon, au moins, il reviendra pas, c'est sûr. Faut qu'on aille là-bas après, avec les bombes. Je pense qu'on va viser les bombes, justement. Ce sera toujours ça de moins de prix par Lapin Peach. Ok. Et là, bah... Voilà, quoi. Oh, j'ai... Ah non, ça, c'est honteux. Comment c'est possible? Voilà, on est bien. Ah, peut-être que Lapin Peach va prendre des dégâts. Bon, on se rapproche. Faut qu'on fasse celui qui est en face. Ouais, on va pouvoir passer. Oh, je peux me mettre là, ça risque pas grand chose. Et en fait, il est vraiment plus simple, c'était de sauter directement ici. Le problème là c'est que Edge est beaucoup trop près donc il va prendre cher. Tu crois que je peux le... Ah c'est chaud. Ah non c'est bon. Incroyable. Ah presque. Mais ok c'est cool. Bah écoute Edge mets-toi là. Amy je vais faire ça pour éviter que les bombes viennent sur moi. Et pareil avec Mario au cas où. Alors ça non. M'échappe pas. Ok, c'est géré. C'est géré comme prévu d'ailleurs. Sonore dans la cage. Si nous détruisons les blobs, recouvrons les boutons sur le sol de la cage pour ensuite activer ces derniers, l'antenne sera libérée. Après quoi, Allegra et Dory pourront l'utiliser pour outrepasser le bouclier du méca roi Boubombe. Ok. Mais alors j'en vois un. J'en vois qu'un.
bizarre, non? Ah, peut-être qu'ils vont apparaître après, dans les trous qui sont là. Ok. Petit soin. Avec moi. Personne ne peut m'arrêter. Pathétique. Dans la bouche. Va. Oh, ça voudrait dire que je peux lui faire des dégâts maintenant, ok. Ok, il n'y en a pas plusieurs à faire en fait, d'accord. Je comprends. Okidoki. Yep. Oui. Alors, faut pas faire le fou non plus, parce que lui, il va venir après. Est-ce qu'il peut venir jusque là? Bah en théorie ouais, et puis il peut me faire mal surtout. À la limite, Lapin Peach, c'est plus simple à virer parce qu'elle a une bonne distance. Elle peut tirer à travers les murs entre guillemets. Edge, c'est un peu plus compliqué. Nickel. Et là, ça pique. Sauf si j'ai géré. Eh, c'est pas magique. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a plus de bonbons. Alors, est-ce que c'est pour me dire qu'il faut tous les faire pour que ça marche? Ce sera un peu abusé. Aberrant. Merci. Et ouais, faut faire les trois. C'était sûr. Okidoki. Mais meurs donc. Oh, quel gâchis. Sinon, je fais ça.
Ouais, c'est quoi, on assure celui-là. Ouais, pas de bol. Pas de bol, mais... Okidoki. C'est quand même ça. Voilà. Non. Oh yeah. Bon, en vrai, ça devrait aller. Un peu inquiet pour Lapin Peach, qui va prendre cher. Peut-être m'occuper des bombes. Hein. Ah bah ouais, ça va tuer les deux de toute façon. Parfait. Nickel, ça on fait rien. Ça on fait rien. C'était sûr que j'allais prendre des dégâts, mais... Faut surtout que je survive. Ça devrait le faire. Ça va pas le faire. Honteux. Honteux le coup que j'ai pris, le coup critique. Là, à deux, ça va pas être la même histoire. Il faut assurer les soins. Et là, dans une situation normale, on l'aurait défoncé à 3. Pas mal quand même. Pathétique. Mais ce sera pas assez. Yeah.
Oh, BG. J'ai de la chance. J'ai de la chance. J'avoue. Au nom des jardins mélodieux, je vous offre ma plus sincère gratitude pour avoir sauvé mon ami et nous avoir débarrassé de notre ombre maléfique. Nous n'avons fait que notre devoir. De plus, si Kania avait eu les coudées franches, qui sait à quel point elle serait devenue puissante. Affronter Kania en même temps que Kursa aurait pu se révéler problématique, même pour nous. Pardonnez-moi, Allegra. Puis-je vous interroger sur les lois mathématiques de... Ginny, mille excuses, Allegra. Ginny, ici présente, a du mal à comprendre le processus artistique et encore moins les émotions qui y sont liées. L'équilibre. J'ai pu entendre votre discussion, un peu plus tôt. En vérité, l'harmonie la plus pure naît de l'équilibre entre forme et sentiment. Yay! À l'image, peut-être, de votre façon, à vous deux, de diriger les héros. Eh bien, je n'en suis pas sûr. Mais ce dont je suis certain, c'est que nous mourrons d'envie d'entendre une biophonie depuis notre départ du Canyon Desperado. À propos de départ, cette planète ayant recouvré son équilibre, la densité de l'air est à présent normale. Le TFA est prêt pour le décollage. Tout le monde à son poste. Que notre paysage acoustique devienne votre hymne guerrier pour affronter Kursa. Qu'il vous mette de bonne humeur pendant le reste du chemin. Bah c'était cool. C'était un bon DLC. J'étais vraiment pas chaud pour le faire. C'est pour ça que je l'ai fait que maintenant. Parce que quelqu'un m'avait demandé en commentaire si je le faisais. Et j'étais vraiment pas chaud. Et je me suis dit, bah allez, je vais quand même le faire. Parce que le premier était tellement nul. Vraiment, j'avais passé un très mauvais moment. Et je me suis dit que ça allait être la même histoire, que ça allait être chiant et tout. Et au final, pas du tout. En plus, il y a plein de contenu à faire à côté. Vraiment des trucs... Enfin, c'est cool. C'est un vrai contenu additionnel, quoi. Et ça fait plaisir. Merci d'avoir suivi ça en ma compagnie. La vidéo doit être longue, je pense. Mais au moins, on a tout fait en une seule vidéo et c'est cool. Merci à vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.